Hey, salut YouTube, c'est Bazon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de cette nouvelle série. Et donc, cette nouvelle série va être une série consacrée à des tutoriels en redstone. Alors, je vous présente mon labo. Donc, j'ai construit en créatif, hein, bien sûr. Donc, je suis en créatif, vous voyez, je peux voler, hein, on va pas trop l'utiliser pour l'instant. Donc, c'est un joli labo, hein. Tout fait de quartz, donc je l'ai fait moi-même, hein. J'ai vraiment buildé tout du début à la fin. Il est plutôt sympa avec un petit B là pour Bazon. Bref, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est je vais vous présenter des inventions de Redstone. Alors, c'est de toute façon, on est d'accord, hein, en Redstone, tout a déjà été fait. Donc, moi, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment les classiques. D'autres inventions que j'ai trouvé vraiment sympas. Et voilà, donc voilà, c'est vraiment le principe. Les inventions ne seront pas forcément complexes. Au début, il ne sera pas complexe. Après, je vous montrerai des machines assez fun et tout. Je cherche pas forcément l'optimisation. Je cherche plus soit le fun, soit les trucs utiles. Voilà. Et alors, on va commencer par cette première expérience. Et qu'est-ce que ça va être à votre avis? Bah, vous avez lu le titre de l'épisode, non? Donc, vous savez. Ce que nous allons voir, donc expérience 1, nous allons voir un classique. Oula, attendez, hop, vous avez rien vu, hop, 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 j'avais oublié, tout va bien, hop, le fail. Ouais, tant pis, hein, je retourne pas l'épisode, hein, c'est bon. Voilà, une porte en piston classique. Donc c'est une porte 2x2, d'accord? Donc voilà, on passe, ça s'ouvre, on est content, ça se referme. Voilà. C'est vraiment du classique, mais c'est toujours utile. Et pour pas partir dans un système super complexe et tout, il y a une façon vraiment très simple de le faire. GG, voilà. Donc là, on est diamant, hein, bref. Il y a vraiment, voilà, donc une façon très simple de le faire. Vous voyez, vous passez, hop, ça se referme tout seul, c'est nickel. Alors, pour cette construction, il va vous falloir un espace de 3 de profondeur. Donc vous voyez, 3 de profondeur. Ensuite, 8 de longueur. Donc il faut quand même que ça soit une porte avec un peu d'espace quand même. Et vous allez avoir besoin de 3 de largeur. Ah, j'avais pas réglé ma caméra. Hop, c'est fait. Vous aimez bien l'éclairage là? J'ai fait quelques petits réglages, c'est plutôt pas mal, je trouve. Bref, vous me direz ça en commentaire. Donc voilà, donc l'espace qu'il vous faut, c'est ça. Donc vous creusez de 3. Donc 1, 2, 3. Vous avez 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc 3 de large aussi. Alors, première chose à placer, c'est. Alors ça, là, vous mettez ce que vous voulez, hein. Vous pouvez laisser la pierre, vous pouvez mettre ce que vous voulez. De toute façon, après, c'est caché, hein. Comme vous voyez, on voit plus rien. Moi, en fait, c'est juste, je vous mets juste ce type de bloc pour différencier de la stone. En fait, c'est là où il va avoir de la redstone. Voilà. Donc, vous mettez, donc, vous faites une ligne droite en plein milieu de 8. Ensuite, vous rajoutez un bloc ici et un bloc là. Vous laissez un espace et vous rajoutez un autre bloc au-dessus. D'accord? Donc là, en fait, c'est ce qui va permettre de diffuser la redstone sur les pistons. Et ici, vous mettez, donc après de la ligne droite ici, au milieu. Donc vous laissez 1, 2, 3 carrés. Vous laissez 3 blocs. Et vous mettez 2 blocs au-dessus. Voilà. Donc ça fait cette forme-là. Voilà, je pense que c'est bon. Ok. Alors, la construction est vraiment très simple. Qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut 12 fils de redstone. Donc, hop, je prépare. Deux lampes de redstone, quatre plaques de pression et quatre pistons collants, d'accord? Et bien sûr des blocs pour faire la porte. Alors, comment ça va se passer? C'est vraiment très simple. Vous voyez là tous vos blocs, hop, vous mettez de la redstone partout, d'accord? Voilà, vous mettez de la redstone partout. Je vous montre bien, voilà, comme ça doit faire ce dessin-là. Une fois que c'est fait, vous mettez votre torche ici et ici, d'accord? Ce qui va permettre de diffuser de la redstone à ce niveau-là. Et sur le bloc, non. Sur le bloc, en fait, vous allez rajouter ça et ça. Voilà. Est-ce que c'est OK? Donc, vous mettez un fil de redstone ici. Vous remplissez ce. Oula, il y a de l'orage. Vous remplissez ce cadre-là. Attendez, on va virer l'orage. J'aime pas l'orage. Voilà. Vous remplissez ce cadre-là. Vous mettez la torche ici et. La redstone, ça doit être allumé, hein. Et après, vous n'avez plus qu'à poser vos pistons. Donc un ici, d'accord? Donc il doit être ouvert comme ça. Et un juste ici. Donc vous voyez, si j'enlève ça, vous en avez qu'un seul qui fonctionne. Donc c'est pour ça qu'on fait une petite ascenseur à redstone et on met les deux à ce niveau-là.
On fait la même chose. Oula, pardon. Donc vous ne vous trompez pas, vous les mettez vers l'avant, comme ça. Et après, vous n'avez plus qu'à mettre vos blocs. Donc moi, je mets du quartz, hein, vous mettez ce que vous voulez. Derrière, on ferme, hein, tout simplement. Hop, donc là, je ne vais pas aller jusqu'en haut, hein, mais vous avez compris le principe. On fait ça comme ça. Et ici, juste au-dessus, en fait, donc là, vous mettez à ce niveau-là. Hein. Donc vous laissez, vous avez le bloc ici, un fil de redstone, là, c'est vide. Et ici, vous mettez un bloc. Là, et la même chose de l'autre côté, d'accord. Je couvre pas de l'autre côté, hein, vous avez compris le principe, hein, vous couvrez après comme vous voulez. Et voilà, et sur ces deux blocs qu'on a rajoutés de chaque côté, vous mettez vos plaques de pression. Hop, on met les plaques de pression ici. Et maintenant, quand on active les plaques de pression, ça s'ouvre. Bon, mettez des blocs quand même là, c'est mieux. Hein. Donc là, hop, ça s'ouvre et ça se referme. Voilà, tout simplement. Donc c'est vraiment très simple comme construction. Mais c'est vraiment plutôt pratique, enfin c'est très pratique, donc après vous faites ce que vous voulez, hein. Vous couvrez bien comme il faut, à ce niveau-là. Donc là en fait vous pouvez mettre des blocs à tous les niveaux, hein. Le seul endroit où vous ne devez pas en mettre c'est ici, parce que sinon vous allez couper le fil, hein. Enfin il n'y aura pas de fil, donc hop, vous faites un coffrage classique, hein. Comme ça. Bah après c'est juste un coffrage, donc vous connaissez le principe, toujours faire un petit peu de relief, c'est toujours sympa. Après voilà, vous voyez, moi j'ai décoré un peu avec des escaliers, c'est toujours joli, au lieu de faire un gros mur un peu imposant. Donc là, il faut fermer comme ça, hop. Et voilà, regardez, c'est pas joli. Ici, un petit peu de déco, allez, on fait ça comme ça. Et ça marche nickel. Et voilà cette construction. Donc comme je vous ai dit, c'est peu coûteux, ça prend pas énormément de place, faut quand même avoir un petit mur, hein. Faut avoir voilà, 8, une maison de 8 de large, hein. Ça se fait assez facilement de toute façon. Et donc voilà, bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu, dites-moi si vous aimez cette série. Donc il y a vraiment tout normalement, hein. J'explique tout ce que vous avez besoin ici, il y a la longueur, il y a la profondeur, et voilà, hein. De toute façon je pense qu'il n'y a pas mieux. Enfin, je peux pas en dire plus, donc voilà. Bah voilà, donc ce sera des épisodes très courts, hein, comme vous voyez, mais de toute façon, il ne faut pas non plus abuser. Hein, le principe de la redstone, vous l'avez compris. Je peux quand même vous l'expliquer si vous voulez, vite fait. Ce qui se passe, c'est quand... Ouais, c'est quand même bien de vous l'expliquer. Hein. Ça vous montre au moins que j'ai compris le principe. Hein. Ce qui se passe, c'est que, donc, de toute façon, c'est actif automatiquement grâce à cette torche. Et lorsque on va activer la plaque de... Bon, on peut faire, attendez, comment je peux le faire? Est-ce que on peut prendre un levier? Hop, avec un levier, je pense que ça fonctionne. Ici, voilà. Voilà, c'est ça. En fait, quand j'ai... C'est bon, ça s'ouvre, voilà. Quand j'active, en fait, les plaques de pression, ça active ce fil de redstone qui va diffuser ici, la torche va s'éteindre, et donc là-haut, ça va s'éteindre aussi, le petit bloc, et donc ça va rétracter les pistons, tout simplement. Et après, bah, en fait, le fait d'avoir les pistons... Enfin, le fait que la porte se ferme, ce n'est pas parce que vous passez sur l'autre plaque de pression. Hein. C'est juste pour pouvoir ouvrir des deux côtés. Mais par exemple, si vous faites ça... Hop, pardon. Si vous faites ça et que vous arrêtez au milieu, et bah, vous allez prendre cher. Voilà. Ce qui est logique. Hein. C'est vraiment l'action. Là, en fait, il n'y a pas d'action de fermeture. C'est juste, vu que c'est une plaque de pression, ça reste ouvert quelques secondes. Autre chose à savoir, n'utilisez pas n'importe quelle... plaque de pression. Regardez, on va essayer avec. Alors j'ai déjà testé, je crois que ça marche pas avec tout. Hein. Là j'ai mis, alors j'avais essayé avec du fer parce que je trouvais ça joli, mais je ne crois que ça ne marche pas. Alors attendez, hop, hop. Alors avec le fer, ça marche pas. Vous voyez, avec le bois, ça marche, pas de problème. Mais c'est moche. Enfin, sur du quartz, hein, après ça dépend ce que vous faites. Et avec de l'or, ça marche pas non plus. Donc vous utilisez soit des plaques de pression en pierre, soit des plaques de pression en bois. Et c'est nickel. Voilà, bon, vrai intro de fin cette fois-ci, pour une fois. Enfin, vrai outro. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez mettre j'aime pas. Dites-moi pourquoi, ce sera toujours plus pratique. Voilà, donc on se retrouve très bientôt pour un deuxième épisode. J'ai pas encore le nom de la série, hein, donc vous verrez ce qu'il y a écrit là. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et à bientôt. Ciao les gars!